Eh bien, bonjour à vous tous, c'est Ital, j'espère que vous serez bien, en tout cas pour ma part ça va nickel, et dans cette vidéo, on va parler du pass de combat saison 4 de Fortnite. Je vais pas vous montrer en entier le pass de combat, mais je vais vous montrer quelques petits leaks que des leakers ont trouvé dans les fichiers du jeu, des skins qui pourraient arriver à la saison 4, même un pack qui pourrait arriver à la saison 4, mais je vous montrerai tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On est réellement aux 10 000 abonnés sur la chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un gros like si vous aimez cette vidéo. Comme vous l'aurez remarqué pour certains et peut-être pas pour d'autres, ma bannière a été changée. Ce n'est pas moi qui l'a fait, mais je remercie Daizo de me l'avoir fait. Je mettrai le lien de sa chaîne en description, n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne. Comme je l'ai dit la dernière fois, lui aussi, il fait des lives, j'analyse vos chaînes. C'est la deuxième chaîne où je lui fais une pub et qui fait un live, j'analyse vos chaînes. C'est comme ça que je l'ai connu et c'est comme ça que je lui ai demandé de faire une bannière. Du coup, n'hésitez vraiment pas à aller voir sa chaîne. En plus, si vous avez une chaîne et que vous avez besoin d'une bannière, demandez-lui, il vous répondra sûrement oui. Du coup, pour lui remercier, je mets le lien de sa chaîne en description et n'hésitez pas à tous le follow. Bref, également, juste avant que la vidéo commence, si vous voulez m'avoir en ami sur Fortnite, mettez vos pseudos épiques dans la description. Bref, let's go. Alors, la saison 4 arrive dans un mois et demi ou un mois, tout dépend de si Fortnite recule la saison. Et le pass de combat a été fuité, entre guillemets, parce que quelques petits skins ont été fuités. Par exemple, ce pack qui pourrait arriver à la saison 4 sur Fortnite, il fait penser un peu à Pac-Man, le jeu que vous avez sur DS. J'avais le même jeu, il fait penser à ça. Je pense que c'est ça d'ailleurs. Et il pourrait arriver sur Fortnite avec 600 V-Bucks, ce qui est plutôt pas mal. Un autre américain a découvert ce skin dans les fichiers du jeu. Il l'a découvert. Je vous mets même la preuve comme quoi il est dans les fichiers du jeu. Et un américain a recréé ce skin. Bien sûr, c'est une bêta du skin. Il devrait ressembler à ça, mais pas tout à faitement. Mais normalement, il devrait ressembler à ceci. En même temps, c'est probable que ce skin sort parce qu'il y a eu déjà une musique de ce mec dans Fortnite. Il y avait eu une danse avec sa musique dans Fortnite, du coup, pourquoi pas qu'il fasse une collaboration avec lui et qu'il mette ce personnage sur Fortnite pour la saison 4. Dans le pass de combat, ça serait exceptionnel. Après, je vous mets une image d'une bêta à l'écran de plusieurs skins qui pourraient y avoir à la saison 4 qu'un leaker également a leaké dans les fichiers du jeu. Encore un américain, toujours les américains, j'avoue. Moi, je vais jamais dans les fichiers du jeu, mais je de temps en temps, qu'est-ce qu'ils arrivent à leaker. Et voilà à quoi pourrait ressembler l'image de pass de combat de la saison 4 avant de l'acheter, quand il vous demande de l'acheter. Ah, voilà à quoi pourrait-il ressembler. On voit même des skins à l'arrière. Vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez voir tous ces skins. Bien sûr, on n'a pas tous les emotes, tous les skins, toutes les danses, etc. de la saison 4. Ça serait bien trop facile. Fortnite nous donne pas tout en avance sur les fichiers du jeu. Mais on en a quand même un tout petit peu. Et c'est ça qui fait déjà plaisir. Voilà tout ce qu'on avait pour le pass de combat de la saison 4. J'espère que ça vous aura plu et que vous aurez aimé ces skins. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude à la chaîne YouTube. On approche des 10 000 abonnés et n'hésitez pas à liker si on pouvait faire les 100 likes comme d'habitude. Le lien de Daizo, sa chaîne en description qui m'a fait la bannière. N'hésitez pas à tous le follow, ça lui ferait super plaisir. Bref, à demain pour une nouvelle information sur Fortnite. Portez-vous bien. Ciao.